démonisé sous des ténèbres. Wolfflou, épisode 4. Rien n'est ordinaire, Victor. Nous avons trois images. Ça se cache. Un trésor de talon. Dis-moi, ma battue, mais c'est pas ça que j'ai fait. Je m'appelle Gustave. Mais je connais déjà ton nom. Et dans les Pokémon obscurs, combattons. Donne-toi pour mon garçon. Ma revanche a sonné. Ah, les PV des Dursa sont assez catastrophiques. Finissons-en. Je pense pas que tu pourras battre un coup, Voltaire. J'aurais dû me douter. Gros yeux. Assaut noir. Volvi. Oh, tu es allé trop loin là. En plus, tu voles toujours la vie des plus faibles. Alors là, tu vas beaucoup trop loin. C'est bon, l'attaque n'a pas raté. J'aurais peut-être acheter des parfums. Terrible ce combat, c'est terrible. Oh mon dieu, du malaignant. On dit que les massages de ta gueule, tes Pokémon avec ma petite boîte de parfum, tu verras. Mais de toute façon, j'en aurai zéro. Vous voyez? Il faudrait des parfums palpitants. D'ailleurs, tes Dursas sont pas vraiment en très très grande forme. Et il y a un objet que je devrais récupérer. Au fait, d'ailleurs, je vous ai pas encore dit. En fait, la première fois quand j'essaie d'allumer le jeu, eh ben, il n'arrête pas de dire la lecture du disque a échoué. Deux fois, quand j'ai demandé à ma mère de m'aider un peu à le réparer, pas dans le sens essuyer, mais de façon une d'une autre. Et mon jeu a enfin marché, parce que quand j'ai regardé le jeu qu'elle essaie de mettre, j'étais tout content. Et après, j'ai cru que Paris Manga m'avait fait qu'on m'avait arnaqué. Trois potions. Donc voilà quoi. Mais un peu m'appeler là, j'ai couru voir ce qui se passait, j'ai eu une bonne surprise. Je sais si on nous bat, si tu gagnes, je demande ce que j'ai trouvé, qu'on y tue. Bonne réponse. Avec ton Mediena, tendre mamie Martha. Mediena et Ningal. Ah ouais, Ningal, pour avoir un Muncha, en plus simple. Pas terrible. À son noir. T'es dur, ça s'énerve. Il rentre en mode retour. Oh là là, mais non, pas quelque chose, ça s'appelle le mode hyper. Ah, vraiment très impressionnant. Vas-y, à boule. À boule. Chose première, chose dit. Voici la chose dont je te parlais. C'était 09. Qu'est-ce qu'elle contient? Je suis sûr que ça te sera utile.
Si c'est pas utile, attention à ta, à toi. Balgren ? Non, d'accord. Non, reconnaître qu'elle met dans plein de forme, encore plus vite que moi. Si je vois, si je voyais ça, mes propres yeux. On voit des certains passages de la conscience des Dursa. Quand l'homme il rentre en mode retour, on sait que maintenant il est modeste de nature. La conscience est plutôt bien ouverte. Il faut vite que je fasse un combat. Jeff, c'est un seul défi dans tes yeux quand le regard des brutes dresseurs se croise. Le combat est inévitable. Oh oh, j'espère que tu n'es pas trop rouillé. Bah, c'est plutôt toi qui vas être rouillé, joyeux papy Simon. Elle cherche un prénom Simon et son famille c'est Cussonnet. Ah Simon Cussonnet. Et si t'en Cussonnet, bah ça donnerait l'heure, hein. Toujours en mode retour, hein. De toute façon, on va appliquer ça à la régulière. Simon a pété dur ça. T'es dur ça. T'es dur ça, reprend ses esprits. Oh, trop mignon. Ta 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 ta. Envoie-lui le bâtard. Ah, Voltaï. Amada s'attaque. Il est désolé de tes gros yeux maintenant. Il en fait des gros yeux. Les types combats et les ténèbres, ça va pas vraiment faire l'affaire. Griffe acier, gagne. Boum. Échouille. Elle a une grosse langue pour un petit genre ça. Hermessa. L'attaque des Dursa augmente. Ouais. Ah, et maintenant il rentre en mode retour. Mais qui ne va qu'à maîtriser. C'est un bon combat. C'est un bon combat. Hein? Bien plus, fiston. Il faudrait qu'on recommence. Tout va sous-marin, nous sommes célèbres pour la relique sacrée. Et là, j'étais retenu à habiter que par les personnes âgées. Les soeurs et leurs Pokémon viennent passer leur vieux jour. Je sais qu'il y aura un train de mode retour, et bien... Je voudrais acheter deux parapalpitants, s'il vous plaît. Merci. Et tant que vous y êtes, deux super potions. Merci. Maintenant, je vais les combattre un peu, et dès que si j'avais été dur, ça n'est pas en mode retour, et ben, je m'occuperai, ben, j'utiliserai un parfum palpitant sur tes dur, ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, on va sortir du village par ici. Qu'il est bête. Hein? Hé, toi, arrête de regarder ses yeux de merlin frais. Tu as un combat, dis-le. Alors, c'est ça? J'ai les nerfs, je me suis perdu, je vais me défouler sur toi. C'est pas bien d'en prendre le plus petit que soi, Lucas. Culturiste, Lucas. Débutant et tas de morts. Tas de merde, oui. Tas de merde. Débugant et de type combat. Mais c'est toujours ça. C'est dur ça.
ne te l'arrache tellement. Écrase face. Écrase la face. Go collectic. Critical aid. Charge. C'est plus à coup de poing. Il est temps de sortir tes griffes, t'es dit comme ça. Non, c'est rapide. Non. Ah, mais il a raté son attaque. Oh, le pauvre, t'es dit comme ça, il s'énerve juste parce qu'il a raté son attaque, le pauvre. Eh, j'ai rien fait, là. Non, c'est rapide. Ah, le mode retour, c'était blessé, c'était dur ça. Le pauvre. Le Sirapti, ah, c'est un égard du Sirapti. C'est dur ça, t'as intérêt à te calmer, hein. Il est trop chou, t'es dur ça. Et ça fait un égard du Sirapti en moins. Niveau 14. C'est quand tu vas prendre une nouvelle attaque, Voltali? Niveau 15 ou quoi? Ah, frappez Voltali alors que t'as rien fait, tête de neuf. Lucas. Bon, j'ai un mauvais sens de l'orientation, mais c'est pas la peine de se moquer. Pour un culturiste, t'es pas vraiment riche. J'ai venu admirer un relief sacré, mais on laisse pas rentrer. Et voilà que je ne trouve plus le chemin du retour. J'ai envie de pleurer tellement c'est rageant. Bah pleure. T'as que ça à faire. Il a encore combien de conscience? De toute façon, ça devrait me prévenir normalement. On bave encore un petit peu. Normalement, ça marche avec les pas. Mais c'est pas, je voulais pas faire ça. Ça ne devrait plus tarder. Tout est une question de temps. Ah, ça y est. T'es dur, ça peut être purifié. Le cœur est surprenant de sa conscience. Tu en es bien occupé. Pour la rue sacrée, on va achever ce que tu as commencé. Il y a un Pokémon de la conscience après, serait prêt à s'ouvrir. Ça c'est ouverte. Il a récupéré retour. Ah, ça c'est une bonne attaque. Il a récupéré régénération. 1215 points d'expérience. Wow. Combo griffe. Qu'est-ce qui pourrait remplacer? Attaque dont la puissance dépend de l'amitié. Si je prenais du choix, il y a même. Il y a même pas mal. Il y a un sujet, il y a un. Un empoisonnement de paralysie ou une brûlure. Ah, je suis pas très sûr pour régénération. Mais bon.
M'en fiche. C'est mes droits. T'es dur, ça reçoit un ruban. Pour la petite ours. Perso, je l'aurais appelé comme ça en fait. Non, pas comme ça. Voilà comment j'aurais appelé, mais bon, ce n'est pas le cas. Teddy Ursol lui va amplement, parce que quand ce sera un ours à règne... Et sans ce Pokémon, il est enfin redevenu lui-même. Il retourne chez moi. Il faut fêter ça, j'ai bien fait ton premier Pokémon obscur. Ce serait je sens tout, mais pas trop. Tout de même pas trop. Professeur, le pauvre professeur n'a toujours pas été retrouvé. Il est souvent venu à Samarak, tu sais, il fait des recherches sur la relique sacrée. Il voulait mettre au point un nouveau système de purification dont son ami avait eu l'idée. Maintenant, vous avez mis au monde de professeur Cyrus, il doit être tranquille. À propos de l'enlèvement, chérie, je voudrais pas nous parler de ce que Sénèque a vu. Comment? Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de Sénèque. C'est qui? Sénèque est un ami, il habite au Mont Bataille. Un lieu d'entraînement pour les dresseurs. C'est le camion de drôle d'individu dans le désert, là où peu de gens s'aventurent. Ah ouais? Ça t'intrigue, non? Le Mont Bataille se trouve au nord-est, je te conseille d'y aller. Vas-y, tu pourrais me donner ton numéro de pad? Parfait, si j'apprends quoi que ce soit, je ne manquerai pas de te contacter. Rempli de vieux livres. C'est un lit si reposé. J'ai l'impression aussi que la pension elle sera... Eh ben... Bah, quand il y aura la pension quoi. Trop impatient. Bon, j'ai fini ce que j'ai à faire à Samarag. Il est temps d'aller au Mont Bataille, un lieu d'entraînement pour les dresseurs ouvert en permanence. Ah, j'adore le Mont Bataille. Dès que Voltavis sera beaucoup plus puissant. Oh tiens, ce serait pas un assistant? Tiens, tiens, on serait pas rencontré à Port-à-Marée. Tu veux essayer pour t'entraîner? Un très bon endroit pour s'entraîner. J'y ai moi-même passé beaucoup de temps. Au début, je pensais qu'à la force, c'est la seule chose qui m'intéressait. C'est comme ça que j'ai atteint mon niveau actuel. Maintenant, ce que je me demande, c'est la force, c'est la clé de tout. Maintenant, c'est ce pourquoi je me bats. Je me demande si je fais bien de mettre autant de pression sur les Pokémon. Demande-toi pourquoi tu veux devenir fort. Avant d'essayer de le devenir, l'introspection n'a jamais fait de mal à personne. D'accord. Un total soin. On voit le Pokémon. Voltaïe était dur ça. Une seconde. Ah, il n'a pas trouvé d'objet. Bienvenue au Mont Bataille, vous nous entendez ici? Il faut se battre jusqu'au chaos. Nos drones ne sont pas ouverts au public actuellement, notre agresseur débutant. Comment vous pouvez vous entraîner? Je voulais voir Sénèque, l'un des chefs du secteur. Celui qui entraîne les débutants, il est à l'intérieur. Si c'est urgent, vous pouvez entrer. Ah, le Mont Bataille. Oh, je viens à peine de finir l'entraînement et quelqu'un veut déjà me défier. Oh là, je suis vraiment pas prête. Canon trichant. Ah, tu as triché? Et Johnny Pot et Go Elise. Retour.
d'abord un petit coup de morsure. Pistolet à eau. Ah! Pas trop puissant. Retour. Ouh là là. Est-ce que ça dépend l'invité dont il m'aime ou bien c'est... Ou bien ça, ça dépend du Pokémon comment il aime l'autre dresseur qui fait beaucoup d'effets. Ouais, j'en étais sûr, j'étais pas prêt. Oh, tu veux voir Séné, je suis battu contre toi pour rien alors. Séné qui entraîne des débutants sur le plateforme un peu plus loin. Oh. Je stresse, je me demande si je serai en bon dresseur. Mais t'as toujours le Pokéball dans la main droite. Et puis après tout, je n'ai qu'à me jeter dans Allô, on verra bien. Jeune Rod. Et Crapin, c'est tel, Tilton. Ah, j'ai une bonne bataille, elle est vraiment... Niveau 14. Griffas. Son attaque n'avait pas augmenté. Ta gueule. Allez, après, on va faire un bon combo. Une fois. Mince alors, à cause de toi, j'ai le doute. Tu es bien trop fort pour le secteur 1. Ah, tu vas voir Snake, d'accord, je comprends mieux. Pour que Snake est encore dans le coin. D'ailleurs, il est peut-être même sur la plateforme. Ah! Il est au troisième, en fait. Très bien, alors, des combats duo pour être conscient de tous ces... On attribue les deux Pokémon d'un combat. D'accord, Snake, j'y penserai. Oh, tu as relevé le défi. En fait, les combats sont interrompus pour cause d'entraînement. Tiens, c'est Adelbert qui t'envoie me voir. Les infos sur le désert. Bien, je serais ravi de t'aider, mais en échange, un petit service. Mais toi, d'être un bon dresseur, je me trompe rarement là-dessus. Ce serait un très bon exercice pour ce dresseur. Si tu acceptes de l'affronter dans un combat, tu acceptes. Merci. Top dresseur Sabin. Dodo is fine. Si j'avais pris l'attaque éclair à Voltali, j'aurais pu tuer Doduo en un rien de temps. Il me semble que ça va faire mal. Doucement. Ta gueule. C'est de renifler la Voltali, mais tu vas voir, je vais t'envoyer la foudre sur toi, tu vas voir.
peut-être que c'est selon le dresseur, peut-être à propos de l'attaque. D'avoir été raté un examen de fin d'études. Ça veut dire que tu aurais raté ton bac? C'est bien ce que je pensais, tu t'es très bien battu. J'ai même eu envie de me joindre à vous. Revenons aux choses sérieuses, donc pas nous avons à parler, ne restons pas ici, allons à l'accueil. Mon désir plus aussi se trouve un centre de recherche appartement au groupe Ombre. Il existe depuis l'épisode des Pokémon Obscurs. Il avait l'air abordé, mais depuis peu, on a perçu de drôles de personnes y entrer. C'est là que se trouvait le centre de recherche. Les gens louches ont été aperçus dans le labo du service sud. Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec le rival du professeur Cyrus? Je crois bien. Oh, un message. Ah, c'est Xander. Bonjour Simon, ça va? Adelbert a appelé pour nous dire que tes Pokéball étaient maintenant en vente à votre petit Pokémon Samara. Ce sera plus pratique pour toi. Bonne chance. Très sympa. Bâtiment mystérieux, autrefois utilisé par le groupe Ombre, le bâtiment semble être abandonné. Allons-y. Wow. Hein? Hein? What the... Aïe. On est des sextuplés, on aimerait pour la terreur. Vive nous, vive les frères hexagones. Comptage. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bizarre, on n'est que 5, il en manque quelqu'un. Ensuite on recommence. Comptage. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous dire ça, mais vous êtes vraiment 6. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Il manque quelqu'un. Mais bon, un de plus, un de moins. On a l'air suspect de retirer ça au clair. Eh, du portion, c'est pas un bac à sable ici. Et l'endroit est la propriété du groupe Ombre. Et s'il n'y a eu personne pendant longtemps, tu risques à être obligé de sévir. Rentre chez toi, petit, c'est un conseil. Sans façon, je suis venu juste vous défier. Quel personnage vais-je défier? Le rouge, le bleu, le marron, le jaune, le violet ou le vert? Rentre chez toi à moins que tu n'aies envie de battre contre moi. Très bien, c'est parti. Guerrier ombre, 6 bleus. Le tremble-moi, sirène, son tocon. Waouh, bon, on est deux, ça. C'est pas comme le Pikachu que j'ai rencontré. Tourniquet, la puissance du feu est affaiblie. Ouais, ça sert à rien. Retour. Niveau 15. Vas-y, apprends une attaque. En train de me présenter. Oh, Bali. Aha! Oh, un Pokémon obscur. Génial.
merde. C'est mon pénis. Au Bali niveau 17. Ah, hallucinant. Il fait un jet de sable. Et après un corbeau griffe. Tiens. Mange ça. Combo glyph. Ah, il rate son attaque en plus. Oh non, il a réussi. Oh, de noir. Oh, c'est super efficace. Super efficace. Jet de sable. Mais c'est pareil. Ah, il a réussi son étape. Oh, je le sens pas là. L'esquive, elle baisse beaucoup. Dans ce cas, on va faire plus simple. Pah ! Ça fait pas assez d'effet. Échouille pour la paralysie. Pas assez d'effet. Oh noir. Oh. Potion. Oh, t'es bien, ça trouvé quelque chose. Pitié, sois paralysé. Alors là, l'esquive, c'est sûr, elle sera moins importante. Je vais pas non plus me faire battre par un anomalie qui est obscur. Là, il a cherché la guerre. Et l'échouille en pleine tronche. Mais néanmoins, il y a eu la trouille. D'abord une morsure et ensuite une échouille. Pour l'instant, tout va très bien. Une échouille. Tu peux pas être paresseux pour le prendre. Coup critique. Aïe aïe aïe. Coup critique. T'as osé assassiner mon Teddy Hussard. Comment t'assassiner? Cette fois-ci, tu es allé trop loin. Super efficace. T'en fais pas, j'ai plus d'un tour dans ma manche. Je vais te capturer tout de suite. Avec ou sans paralysie. Avec ou sans Teddy Hussard. Maintenant, un Nobali très puissant. Sale gamin ! Nobali rejoint votre équipe. Wouhou ! Quand je m'énerve vraiment, je perds totalement le contrôle. J'ai voulu t'épargner ça. Trouvez quoi, t'es dur ça? Une attaque plus! Une attaque plus! Pouh! Ils refont le recomptage. Comptage! 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, Et 8? Quoi 8? Voilà qu'on est trop maintenant. Ah, attention mes frères, il y en a marre des espions parmi nous. Regardez, encore le gamin. Alors elles sont vraiment drôles. Dis-moi, tu es du genre têtu. Viens, je joue un peu avec toi, ils ont passé le temps. Allez, montre un peu ce que tu as dans le ventre. Si rouge. Avec les rouges et si rouge. Et les magma, les balance. Celle-là, on va faire la liste, si rouge. What? Un malos. Morsure. Assaut noir. Ah oh. Les magma et KO. Niveau 15, c'était dur ça. Ok, Pokémon ont appris de nouvelles attaques. Durant les niveaux, bien sûr. Enfin, à part Tediosa quand il a voulu apprendre Combo Griffe. Ah, je suis si fier de lui. Vous savez-vous si vous appelez un Pokémon qui n'est pas obscur, ben, il faut augmenter sa précision. Fausse malos. Ouais. Mais qu'est-ce que... Ah, t'es pas censé être fort. Maintenant j'ai un malos en plus. Au moins ça m'aurait fait un peu d'exercice. Bon, bah, pour le prochain épisode, on va aller au labo assez lugubre, on va dire.